Bonjour à tous. Madame la présidente du département. Bonjour. Mesdames et messieurs, et comme je sais que nous sommes en direct, je vais parler ceci à la population de Sécoy. Bonjour. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes réunis pour le premier conseil municipal à l'investiture du maire de Saint-Claude. Et cela, comme vous le pouvez constater, sans aucun public. Mesdames et messieurs, chers collègues, l'horloge de la vie avançant inexorablement, vient le jour où le champ retourne, sans le voir vraiment, le doyen d'une assemblée. La plupart d'entre vous n'ont pas encore connu ce privilège. Mais rien ne presse. C'est une prérogative qui nous est due sans qu'on la recherche. Mais puisqu'il en est ainsi et qu'aujourd'hui il me revient l'obligation d'ouvrir cette séance très solennelle, je suis néanmoins très heureux ce matin d'officier comme il se doit et cela pour la quatrième fois. Je suis particulièrement heureux d'accueillir toutes celles et ceux du précédent mandat. Mais je tiens à féliciter aussi tous les nouveaux qui entrent au conseil municipal pour la première fois. Et leur souhaite d'apporter un nouvel élan vers plus de progrès pour notre ville de Saint-Claude. Par le pouvoir et le président de l'Assemblée, le doyen de cette assemblée, je déclare M. Élie Califère, maire de Saint-Claude. Mesdames et messieurs, que notre force résidera en notre capacité à nous rassembler. Rassembler, fédérer les énergies, les volontés et susciter des talents au service de la collectivité, c'est cette forme de management que nous continuerons à mettre en œuvre et qui sous-tend et porte nos réussites. Et qui nous aide à surmonter aussi, il faut le dire, les obstacles qui ne manquent jamais sur la route de l'action publique. Mesdames, messieurs, chers collègues, pour réussir notre ville, nous devons tous, élus et population, oui, la population doit être avec nous, devons nous conjuguer la force de notre histoire avec la puissance créatrice de notre présent. C'est ainsi que nous allons construire notre futur. Un nouveau mandat s'ouvre, c'est une belle opportunité qui s'offre à tous et qui s'offre à nous. Un moment intense d'espérance. Nous voilà, vous voilà, mandatés par la démocratie pour donner corps à notre projet de ville et par notre action, construire une partie de l'histoire de notre ville. C'est un grand bonheur, c'est une fierté. Nous le ferons avec passion, responsabilité, humanisme, empathie, mais toujours avec responsabilité, en faisant passer toujours l'intérêt général avant l'intérêt individuel, avant l'intérêt politicien, serais-je tenté de dire. Cette ambition sera mise en place par phase opérationnelle. C'est un choix politique profond. Nous devons baser notre futur sur la force de notre bilan,
un bilan salué au-delà de nos rives, un bilan qu'a bien perçu la population, un bilan aussi salué par les électeurs. Nous avons besoin, je vous le disais, du soutien de tous et de chacun pour maintenir Saint-Claude sur le chemin de la réussite et de la qualité. Saint-Claude est à un tournant de sa reconversion. Oui, Saint-Claude doit devenir, serais-je tenté de dire, enfin, une ville universitaire, une ville touristique. À nous donc de conjuguer nos énergies, nos compétences pour réussir et créer une espérance et faire en sorte que plus de citoyens croient et participent aux faits démocratiques, aux faits politiques. La vie est belle dans une démocratie. Et nous devons, à tout instant de notre vie, croire à la démocratie et faire vivre la démocratie. Nous sommes ici portant une belle ambition. Et je m'en voudrais, chers collègues du Conseil municipal, reprendre tous les éléments de notre projet. Mais je dois rappeler ici, devant vous et devant la population, nos engagements. Bâtir ensemble, avec tous, une ville solidaire, citoyenne et familiale. C'est la raison pour laquelle, dès le vote du budget, je proposerai au Conseil de mettre en place un budget participatif afin que le citoyen devienne acteur responsable et constructeur de son quartier. Et voilà, nous avons eu une cérémonie, on va dire, des conditions spéciales. Être installé avec des masques, des casques, sans public, c'était un peu, disons, un peu difficile à accepter à certains moments. Mais après, bon, ce qui est important, c'est qu'on puisse installer ce conseil municipal et que la ville puisse se mettre au travail, surtout après 2 mois. Et enregistrer avec satisfaction, la confiance du conseil municipal. Et ensuite, voir un bureau municipal qui est apprécié, les adjoints qui ont été choisis, qui ont été proposés, ont eu, on va dire, l'assentiment de la population ou, disons, de la représentation sélectionnée de la population qui était là. Je m'en réjouis, je mesure quand même, c'est une responsabilité. C'est aussi une marque de confiance, c'est aussi de belles attentes qu'il faudra satisfaire, surtout à la population. Je rappelle qu'elle a quand même accordé sa confiance avec 77%. Donc le devoir de cette équipe-là, c'est de ne pas décevoir et de se mettre au travail. Nous avons des projets pour cette ville. On continue à organiser cette ville-là, à l'aménager, car nous sommes sur la 3e phase de notre plan pour cette ville-là. Cette 3e phase consiste à quoi ? Il s'agira de donner un corps à cette ville, avec la ville de la santé, la ville du bien-être, avec la construction de la maison pluridisciplinaire de santé. Il faudra aussi donner une âme dynamique, attractive. Cela passe indubitablement par la Soufrière qui doit s'inscrire dans le développement de la ville de Saint-Claude du Sud-Bastère avec notre projet Volcano Park qui est en marche. Et bien sûr, on manquerait à notre devoir si avec l'ensemble du pays Guadeloupe, on ne ferait pas sortir le sang de l'Elgrès de l'habitation de Gaumont. Ces gros chantiers doivent être conjugués avec tout un travail d'accompagnement social auprès des populations défavorisées. Voilà ce qu'on veut faire de cette mandature-là, la réussir et, disons, faire que le fait démocratique soit partagé à Saint-Claude afin qu'on s'intéresse avec, disons, bonheur à la vie politique. Cela est nécessaire pour notre pays.